Donc c'est ce sondage en ligne, il a été conçu par l'équipe qui a organisé les ateliers de Saint-Pierre et mis en ligne en début février. Il avait surtout pour but, d'une part, de solliciter tous les Martiniquais, demander l'opinion des Martiniquais sur leur perception de Saint-Pierre. Il y avait une volonté d'impliquer tout le monde, toutes les habitants de la région, sur cette thématique qui est Saint-Pierre, comme atout touristique de la Martinique. Et d'autre part, nous avions envie d'inscrire les débats, d'inscrire les discussions, les échanges qui auront lieu ce vendredi dans un cadre objectif et constructif, donc qui se base sur les réponses des Martiniquais, sur leur perception. Donc, à savoir 72% des répondants, donc il y a eu plus de 370 réponses à ce jour, donc une base suffisante pour établir des analyses hein, des réponses à l'échelle martiniquaise. 72% des répondants élisent Saint-Pierre, voient le futur de Saint-Pierre, le Saint-Pierre de demain, comme une ville touristique. Donc vraiment, on est très confiant sur le déroulé de ces ateliers parce que il y a cette unanimité de perception de Saint-Pierre comme un atout touristique de la Martinique, d'une part. Ensuite, à 42% sur une liste de choix de type de tourisme, c'est le tourisme, bien évidemment, historique qui l'emporte, devant le tourisme tourné vers la mer, par exemple. Donc, on a vraiment cet engouement pour l'histoire de l'éruption de la montagne Pelée, l'histoire de Saint-Pierre avant 1902, l'entretien des ruines, la théâtralisation de la ville à travers les sites patrimoniaux qui existent encore. Il y a un vrai... Alors, j'ai notamment dépouillé les réponses autour des freins. On a demandé honnêtement, ouvertement aux Martiniquais, quels étaient pour eux les freins qui empêchent Saint-Pierre de devenir cet atout touristique de la Martinique. Et c'est vraiment une question où j'ai retrouvé vraiment beaucoup de passion. Chaque répondant a vraiment pris le temps de s'impliquer dans sa réponse, prendre le temps de donner même des solutions dans la question sur les freins. Donc c'est assez révélateur de l'intérêt qui est porté pour Saint-Pierre en tant que ville touristique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un désintéressement, il y a vraiment une volonté d'identifier les problèmes et de trouver des solutions. Mais surtout, ce qui est demandé vraiment très régulièrement par les répondants, c'est un projet, c'est une vision, c'est quelque chose de plus ambitieux pour Saint-Pierre. On a relevé également cette idée que Saint-Pierre n'est pas uniquement une question des Pierrotins ou une question de la municipalité de Saint-Pierre, mais c'est bien une question territoriale et nationale. C'est une idée qui est revenue assez régulièrement dans les sondages. Saint-Pierre est une question également nationale. Je vais conclure en disant quand même qu'on reste dans l'action, puisque 65% des répondants se disent prêts à se mobiliser pour participer, pour prendre part activement à ce développement, développement économique et touristique de Saint-Pierre. Et un chiffre encore plus intéressant, il y a 12% supplémentaires qui s'ajoutent à ces 65%. 12% des répondants se disent prêts à se mobiliser, mais à condition qu'on leur propose un projet ambitieux pour Saint-Pierre. Donc ce questionnaire, bien sûr, il a été réalisé pour représenter un préambule aux ateliers concrets, le temps d'échange qu'on va avoir vendredi. Donc pour rappel, ces tables rondes sur la thématique de Saint-Pierre comme atout touristique de la Martinique, elles ont pour but de faire se rencontrer des acteurs du monde politique, de la société civile et du monde économique pour échanger ensemble sur ces thématiques et trouver ensemble des idées, des axes de développement. Et c'est ce qu'il ne faut pas manquer vendredi, vraiment, qui va suivre la restitution donc plus détaillée de ce sondage, va suivre toute une journée d'échanges sur des thématiques très précises comme la vulcanologie, le monde de la mer, l'histoire.
sur des thématiques très précises de développement du tourisme à Saint-Pierre. Donc je vous invite, toute la population est invitée. C'est un événement qui est gratuit et ouvert à tous. Je vous invite vraiment à venir participer à ces échanges. Non seulement écouter les idées qui seront proposées, mais donner vous aussi votre vision du Saint-Pierre de demain.